Et bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite du Blossom. Et j'ai fait. Comment dire? J'ai fait toute la déco qui se trouvait sur les côtés pour emmener à la ferme. Et en faisant une petite construction, je me suis dit que l'espace était vraiment trop grand pour faire un champ de pommiers. J'en ferai un, mais pas ici. Et sûrement peut-être en hauteur ou dans un champ, dans un enclos. Dans un enclos où on a besoin d'un champ, comme pour les vaches ou pour les moutons. Et du coup, sur le devant, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une petite mare. Et puis, je voulais faire une mare au canard. On n'a pas de canard, mais on a un autre oiseau. Je pense que vous l'avez vu dans la miniature. Et je me suis dit, bah écoute, on va faire un petit animal non programmé, parce qu'on peut en le trouver que en Asie, en Europe apparemment, même si pour moi, on en trouve vraiment de partout. En Amérique, il y en a sûrement. Mais du coup, bah voilà, j'ai décidé de le faire dans cette petite, juste un couple, hein, dans ce petit endroit. Je trouve que ça rend bien avec la mare et le décor est vraiment très très fermier, très rustique, et j'aime beaucoup. Dites-moi si ça vous convient. De toute façon, je vais pas changer, mais moi ça me plaît comme c'est. Du coup, la prochaine fois, on va continuer sur le derrière de la. Du restaurant ou sur le côté, je sais plus, et puis voilà. Donc je vais vous laisser avec l'accéléré, puis je vous reprends à la fin.
Heureux tout le monde, donc voici ce qu'il en est pour aujourd'hui. Donc un petit champ de vigne, je l'ai fait en hauteur, un petit peu, histoire de cacher l'arrière. Là, il faudrait que je trouve un truc pour cacher. Mais en arrivant comme ça, c'est pas trop dérangeant. Là, ça cache, donc c'est plutôt cool. On arrive là, on voit donc le petit marché. J'ai rajouté deux petits trois décors par-ci par-là. Ici, hop, il faudrait que je décore là. Mais j'ai décidé de faire un petit lac avec un cygne. Enfin, je vais mettre un second cygne quand il y aura une femelle. Parce que là, il n'y en avait pas. Il y en avait pas. Ah, il y en a là. Allez, let's go. Adopter. Ah oui, non. Voilà, elle sera livrée pour le prochain épisode. Donc, je voulais faire un petit enclos pour un couple de cygnes, parce que c'est vrai que le cygne, quand même, on le retrouve un peu de partout, même si c'est marqué juste en Asie, et puis... Hop, Zopeli. Voilà. Europe et Asie. Je sais qu'il y en a au Japon, il y en a en Australie... Quand même qu'il y en a en Amérique du Nord. Enfin, ça a été implanté un peu de partout, ça aussi. Et vu que j'avais... Je crois pas l'avoir installé hein, dans le zoo. Et je me suis dit que en fait, c'est pas dérangeant de mettre ça dans une ferme. Et puis, comme ça, là, je devais faire un champ de pommiers. Mais je trouvais un petit peu trop grand pour faire tout un champ de pommiers. Et je voulais faire quelque chose d'un peu plus interactif. Donc, c'est pour ça que... Voilà. Les gens peuvent aller jusqu'à là. Je vais mettre les comment ça s'appelle? À chaque fois, je sais jamais où c'est le gel. À chaque fois, je me plante. Voilà. Que je fasse les poids de dons et tout hein. Donc ouais comme ça ils vont jusqu'à là et puis voilà quoi ils peuvent rentrer on est d'accord je sais même plus comment on fait c'est dans la zoopédie. Confiant, entrer dans l'habitat possible. Ok. Donc voilà. Puis je trouve mon petit bassin propre. Je voulais faire un truc comme ça en fait. Et là, faudra que je mette un truc pour l'eau. Et parce que je crois que j'ai pas. Oh! Alors, ça touche de quelques. Je crois que ça touche. Ouais, voilà. C'est vert. Attends, je vérifie. Non, je suis pas sûr. Bon, faudrait que je mette un truc d'eau. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, je trouve ça assez campagnard. Je trouve ça que ça se marie bien avec le reste. Donc j'aime bien. Et mon petit chemin pour y aller, là, il est très mignon. Je trouve. Et toute cette végétation et tout. On arrive là, c'est parfait. Il y a quelques plantes qui ne tolèrent pas, mais j'ai pas envie de les enlever parce que c'est lié au mur là. Et je trouve ça assez joli comme. Voilà quoi. Bref, du coup, moi je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!